الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شيخ ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous disait pendant ces trois sessions là, c'est concernant préparation Ramadan. Normalement, les supposés cinq sessions. Mais à cause, nous prenons assez de temps, donc nous vous faire les 10 en 3 sessions. Mais seulement, nous pouvons essayer de faire cette session-là une petite longue. Pas beaucoup, peut-être 50 minutes. Inch'Allah, nous avons dépassé 50 minutes. 10 à cause pour nous capables de couvrir tout un aspect qui est là dans sa causerie-là, afin que nous capables de compléter tout et Inch'Allah, nous capables de profiter au maximum. Donc, quand nous causons concernant préparation Ramadan, comme on dit, la première chose qui vient à l'esprit d'Indimoun, c'est qui fait est-ce que Ramadan besoin de préparation? Est-ce que Ramadan aussi besoin de préparation? Indimoun, les gars, pensent, mais Ramadan, qui préparation qui besoin? Je me lève un matin, je fais série, je garde rosa, à soir, je fais tarawi, qui préparation qui besoin pour Ramadan? Un exemple simple pour nous plier, comprendre. Un étudiant qui lui compose un examen important, SC ou soit HSC, il connaît à travers cet examen-là, il y a un certificat pour lui gagner. Ce certificat-là, du même pour aider pour lui gagner un travail. Donc, cet étudiant-là, pour lui capable d'avoir un meilleur résultat, qu'il est pour faire, il est pour commencer à préparer lui-même depuis avant. S'il peut compter pour le REA, s'il a envie de classer, donc, à partir, le roi même, les bouffinés commencent à préparer. Les bouffinés commencent à préparer depuis un bon bout de temps avant, juste pour les capables d'avoir un meilleur résultat, juste pour les capables d'atteindre son objectif. Ne pas attendre qu'un élève qui a envie de classer, qui a envie de venir lauréat, laver l'examen des 3 mois avant l'examen, il pourra prendre non. Comme ça même, un dimoun qui a envie de profiter au maximum avec moi en Ramadan, ça dimoun là, faudrait qu'il s'agit de monde là, les prépare lui. Faudrait qu'il s'agit de monde là, les prépare lui bien. Mais avant qu'il nous vienne avec, comment vous préparez nous-mêmes pour Ramadan? Qui a une préparation qui nous besoin faire pour Ramadan? Pour qui un dimoun est capable d'intéresser? Pour qui un dimoun est capable, il a envie de préparer lui pour Ramadan? Il est intéressé pour préparer lui pour Ramadan? Lui faire des efforts pour lui préparer lui pour Ramadan? Faudrait s'agit de monde là, l'incon va aller moi en Ramadan avant. Faudrait ça dit monde là l'incon va lire moi Ramadan avant que l'incon ait sa moi là qui ban bien fait qui est dans sa moi là qui fait sa moi là il pas pareil comme ban les autres moi. C'est à ce moment là qui ça dit monde là il faut faire des efforts, qui ça dit monde là il point intéressé pour les préparer lui-même pour les capable traverser un meilleur Ramadan. Concernant va lire moi Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir sa moi là. Et Allah fin donne lui valeur plus que les autres mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Qasas ayat numéro 68: Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Et ton Rabb lui crée ce qu'il voulait. Allah lui crée ce qu'il voulait. Et ensuite, à travers une créature qui Allah fin crée, il y en a qui Allah donne l'honneur, il y en a qui Allah donne valeur, il y en a qui Allah choisirait. Allah donne lui valeur, Allah donne lui l'honneur plus que les autres. Pareil commence à 7 jours qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir jour vendredi. Allah fin donne l'honneur, fin donne valeur jour vendredi plus qu'il donne les autres jours. De tout man insan qui Allah fin crée, Allah fin choisir, fin donne l'honneur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il donne les autres dimoun. Comme ça même, dans sa 12 mois qui nous est là dans le calendrier islamique là, moi qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'honneur, moi qui Allah fin donne valeur plus qui man les autres mois, c'est le mois Ramadan. Ce mois-là, il y en a valeur plus que ces 4 mois qui nous est là dans le calendrier islamique, ban mois sacré-là. Ces 4 mois sacré-là, comme nous connaissons, 3 à la suivre là-dedans, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram et Rajab. Ces 4 mois-là qui fait un appel libre ban mois sacré, c'est ban mois que. Il y a certaines manquites choses qui un musulman n'a pas le droit de faire dans ce ban mois-là. Il y a certaines manquites choses, ça dit mon là n'a pas le droit de faire dans ce ban mois-là.
Mais le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois sacré. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui bénit. Un mois qui a beaucoup de bénédictions. Un mois qui a beaucoup de bienfaits. Et le bienfait qui est dans le mois Ramadan, il n'y a pas les autres mois. Même dans ces quatre mois sacrés-là, le bienfait qui est dans le Ramadan, il n'y a pas dans ces quatre mois sacrés-là. La cause qui nous dit que Ramadan, c'est moi qui a plus de valeur, moi qui Allah fait honorer, moi qui Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour lui donner valeur plus que les autres mois. Parmi les bienfaits qui est dans ce mois-là, le mois de Ramadan, premier, Allah fait faire rosa de ce mois-là. Allah fait faire rosa de ce mois-là, quatrième pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre un pilier dans ce mois-là, le mois Ramadan, qui appelle Suyam. Ce pilier-là, c'est le quatrième pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqara, ayat numéro 185, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Allah dit, c'est lui. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. C'est lui parmi les autres qui témoigne le mois Ramadan, qui Allah dit, فَلْيَصُمْ, qui les garde rosa. Mais il y a du moment qu'un dimanche, les filles trouvent la ligne Ramadan, là, sa pilier là, les filles faraz. Sa pilier là, les filles faraz, au mandimoun. Sa pilier là, Suyam, rosa, les filles faraz, veut dire du moment que nous finirons dans le mois Ramadan. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui nous tous nous connaît, Bouniya l'islam ou ala khams. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam fin être bâti aux cinq piliers. Et un parmi là-dedans, c'est Saum Ramadan, c'est Rosa Ramadan. Deuxième petite chose qui vous montre nous concernant valer mois Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir ce mois-là, le mois de Ramadan, pour lui révéler ce dernier livre. Ce dernier révélation, Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir ce mois-là, mois Ramadan, pour lui révéler ce livre-là. Allah dit dans Surah Baqara, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran finit être révélé. هدى للناس, comme une guidance pour Bandimoun. Donc pour montrer nous encore concernant valer ce mois-là, Allah finit choisir ce grand mois Ramadan-là pour lui révéler ce dernier livre. Un autre bienfait de Ramadan est dans la nuit dans le mois Ramadan. Il trouve devant 10 derniers la nuit de ce mois-là. Et la nuit qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, Laylatul Qadri khayrum min al-fishahr. Et la nuit qui devant les autres mois pénas à la nuit-là. Et la nuit qui devant les autres mois pénas à la nuit-là, qui n'a même valé comme Laylatul Qadr. Allah fait choisir ce mois-là, le mois Ramadan, pour lui mettre à la nuit-là. Allah dit Laylatul Qadri khayrum min al-fishahr. C'est dans la nuit, dans les ibadats qui ont dit qu'ils font dans la nuit-là, les meilleurs min alfi shahr, les meilleurs qui 1000 mois sur ibadat. 1000 mois à peu près 83 bananes. Combien parmi nous, nous pourrions arriver jusqu'à Salaza, pas connaît. Si nous restons arrivés jusqu'à Salaza, 83 bananes, nous vivons, nous tiens comme elle est en nous dormir, nous tiens nous ban occupation, nous tiens ban les autres petites choses. Comme il est temps, un dimoun les traverser, les vivre dans l'adoration à Allah. Si les vivre 83 bonnes années, nous tiens tout, nous tiens ce sommeil, nous tiens ce l'occupation, nous médisons les temps qu'il est passé dans l'adoration à Allah. Bien tigit. Une seule la nuit, ça dit mon là, les faire c'est faux. Les faire une ibadat de ça la nuit là, alors ça la nuit là, Allah récompense, comme a dit, les faire une ibadat pendant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit « Khayrum min alfi shahr li meyye ki mil mois » Dans ce mois-là, dans le mois de Ramadan, la porte paradis ouverte et l'enfer fermé. Et ben shaitan rebelle enchaîné. Mais dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mois que Allah peut donner nous tout l'occasion pour nous faire une bonne action. Allah peut donner nous tout l'occasion pour nous rapprocher nous-mêmes avec lui. Allah peut mettre tout de nos côtés pour nous capables de profiter. Allah fait un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait connaître qui ban la porte paradis ouverte. Quand Ramadan rentre, ban la porte paradis ouverte, ban la porte l'enfer fermé et ban shaitan rebelle, Allah enchaîne sa ban shaitan là. Sa ban shaitan là, Allah enchaîne ce qui fait juste pour nous capables de profiter.
Juste pour nous capables de tirer maximum profit de ce mois-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve dans An-Nasa'i, Ramadan fin vin azut. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Ramadan fin vin azut. Et bien cause avec ce sahaba, il dit Ramadan fin vin azut. Un mois béni qui Allah fin odun pour God rosa. Premier, c'est un mois qui béni. Deuxième, un mois qui Allah fin odun nous pour nous God rosa. Troisième, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un mois dans lequel ben la porte paradis ouvert et ben la porte l'enfer fermé. Quatrième, ben shaitan rebelle enchaîné. Cinquième, et la nuit qui meilleure qui mille mois. Donc dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître que Ramadan c'est un mois qui bénit. Ramadan c'est un mois qui Allah fin ordonne nous pour garder rosa. Ramadan c'est un mois dans lequel man la porte paradis ouvert, man la porte l'enfer fermé. Ramadan c'est un mois dans lequel man shaitan rebelle enchaîné. Ramadan c'est un mois dans lequel il y a la nuit qui meilleure qui mille mois qui appelle Laylatul Qadr. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui vient être privé de man bienfait de sa mois là. Mais de sa mois là, il a sa quantité bienfait là, un dimon il est privé. Il n'est pas réussi bénéficier avec sa mois là. Ça dit moula, il n'est pas réussi bénéficier, il n'est pas réussi profiter avec sa mois là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit vraiment, il finit être privé. Vraiment, c'est un dimon qui est privé de man grand qui t'sose. Ramadan, c'est aussi un mois que Allah pardonne un dimon sur man péché. Peu de personnes parmi nous qui ont ça. Peu de personnes parmi nous qui ange, nous tous nous désobéir à Allah. Nous tous nous commettons péché dans nous la vie. Ramatez en tout. Un parmi les moyens qui est là, pour un dimon les gars pardon pour un péché qu'il est fin commettre, c'est dans ce mois-là, à travers des ibadat qu'il fait. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui garde le rosa Ramadan. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man qama Ramadan. Dans les riwayat, le prophète dit man sama Ramadan, c'est lui qui garde le rosa Ramadan. Et l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man qama Ramadan, c'est lui qui fait un namaz de la nuit de mois Ramadan avec des conditions. Iman et wahtisaba. Premier avec iman, deuxième avec l'espoir pour les gars qui sont avec Allah. Ça dit mon là, il peut faire sacrifice, il peut sans manger, sans boire. Il peut attendre en retour, Allah donne lui qui sont. Il peut faire namaz dans la nuit d'un mois Ramadan. Il peut attendre en retour qui Allah donne lui qui chose qui arrive lui. Rufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ça dit mon là, ce bon péché qu'il a fait commettre dans le passé, il est pardonné. Allah pardonne lui ce bon péché qu'il a fait commettre dans le passé à travers rosa qu'il a gardé dans le mois Ramadan, à travers bon namaz qu'il a fait dans la nuit d'un mois Ramadan. Hadith qui trouve le Bukhari et Muslim. Et l'autre chose encore qui vous montre nous concernant bien fait ce mois-là, chaque la nuit dans le mois de Ramadan, Allah il a un dimon qui est tiré de l'enfer. Nous posons nous-mêmes la question, qui sont là parmi nous qui est garanti? Qui sont là parmi nous qui sûr et certain, mais nous pas parmi ban habitant l'enfer. Mais pas dans la liste ban habitant l'enfer, qui sont là parmi nous qui est capable de dire avec certitude, moi ben habitant paradis moi. Personne parmi nous ne peut dans sa garantie là. Personne parmi nous nous paye dans sa garantie là. Nous pas connaît est-ce qu'il nous parmi habitant paradis ou soit nous parmi habitant l'enfer. Donc chaque la nuit dans le mois de Ramadan, Allah il a un dimon qui l'est retiré de l'enfer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à chaque iftar, c'est-à-dire dans le mois de Ramadan, chaque iftar, Allah il a un dimon qui l'est retiré de l'enfer. Hadith qui trouve de Ahmed. Donc est-ce qu'il nous pas si content? Nous pas si content qu'il est si nous parmi habitant l'enfer. Ça dans ce mois, béni-là, dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala pétit à nous depuis l'enfer. Mais il fallait nous faire des efforts. Il fallait nous montrer Allah qui vraiment m'a intéressé pour qu'il me sorti parmi mon habitant l'enfer. Si mon nom là, la liste habite à l'enfer, il fallait ça dit mon là, les faire des efforts, les faire sacrifice Allah. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah capable de faire nous venir parmi ban. Qui les fait retirer depuis l'enfer, si nous n'avons pas mis man habitant l'enfer. Et l'autre chose encore, vous montrez-nous concernant valeur le mois Ramadan,
Un umrah dans le mois de Ramadan est équivalent à un hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à un de ses bons compagnons, quand Ramadan vini, al fait umrah. Quand Ramadan vini, al fait umrah. Donc un djimoun qui est un moyen, ça dit moula, il y a un moyen, il y a un l'osan, il trouve qu'il est capable al fait umrah dans le mois de Ramadan, Ali. Qui fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, umrah de Ramadan est équivalent à un hajj. Un umrah qu'on fait dans le mois de Ramadan n'est pas pareil comme un umrah qu'on fait en dehors de Ramadan. Un umrah dans le mois de Ramadan est équivalent à un hajj. Nous qu'on va aller à un hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un hajj qui Allah finit d'être accepté, c'est un hajj qui, son récompense, c'est Jannah. Donc un umrah qu'on fait dans Ramadan est équivalent à un hajj. Et dans l'autre riwayat, dans l'autre narration, qui trouve les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un umrah dans le mois de Ramadan est équivalent à un hajj avec moi. Non seulement qu'il est équivalent à un hajj, mais il est équivalent à un hajj ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme si ça dit moula, il finit faire umrah ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour nous terminer concernant le mois de Ramadan, hadith qui trouve, qui rapporté par Ka'b ibn Ujra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui nous désattendait plusieurs fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, donc, le fin fait son sahaba approche avec mimbar. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fin monte le mimbar. Premier marche qu'il fin fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin dit Amin. Deuxième marche aussi pareil, le fin dit Amin. Troisième marche aussi pareil, le fin dit Amin. Mon sahaba fin trouve ça drôle. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de finir sa parole là. Qui fait aujourd'hui quand il est mort le mimbar, il dit Amin. Les sahaba fin demandent lui, alors le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit Jibril alayhi salam fin apparaît devant moi. Et il fin dit, va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mort le premier marche, Jibril alayhi salam fin dit destruction le celui qui Ramadan vini et Ramadan allé, ça dit moula li pan gagne Allah sous pardon. Un djimoun qui les fin fini pour son compte. Quelle qualité y a un djimoun misérable, ça djimoun là. Ramadan fin fini. Ramadan il est temps allé, ça djimoun là, il n'y a pas de résigné Allah sous pardon. Allah fin donne nous tout l'occasion pour nous retourner vers lui. Pour nous faire taouba. Mais ça djimoun là, il n'y a pas d'intéressé. Il est malheureux pour nous dire, il y a un djimoun comme ça. Il y a un djimoun, Ramadan fini, Ramadan allé, ça djimoun là, pour lui, il n'y a aucun effet le lit. Pour lui, ça dit moun là, comment dire, il peut vivre dans les autres mois qui est là. Il n'y a pas de Ramadan, va aller à qui il est misé. Sa qualité, dit moun là, il n'y a pas de faire des efforts dans le mois de Ramadan. Ramadan, il vient finalement, il n'y a pas de profiter. C'est un djimoun, il n'y a pas de résigner à Allah sur pardon. C'est un djimoun qui est destruction le lit. Et Jibril, alayhi salam, fin de moi, dit Amin. Et moi, fin de Amin. Qui est là qui vient faire sa doua là, Jibril, alayhi salam? Qui est là qui vient dire Amin? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute, c'est un doigt. Donc, il peut être accepté. Jibril alayhi salam, chef de ban ange, il fin fait sa doua là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, meilleur de tout ban insan, il fin dire Amin. Hadith qui trouve Al-Hakim et Bayhaqi. Donc là, s'agit de là, l'infini qu'on va aller moi Ramadan. S'agit de là, l'infini qu'on est donc, c'est moi qui vais venir là, et dans sa quantité bien fait là-dedans. C'est un mois qui bénit, c'est un mois qui est un de mon pilier de l'islam, Rosa. C'est un mois quand Allah fin révèle le Coran. C'est un mois quand il y a la nuit qui meilleure qui mille mois la nuit, Laylatul Qadr. C'est un mois quand la porte paradis ouverte, la porte l'enfer fermée. C'est un mois quand le chaitan rebelle enchaîné. C'est un mois quand Allah libère le djimoun depuis l'enfer. Donc, ça dit moun là, là l'infini connaît. Ramadan, il a sa quantité valée là. Donc là, ça dit moun là, les là qui les point intéressé. Pour lui profiter avec Ramadan. Les là qui les pour intéresser, pour lui préparer lui-même, pour lui accueillir ce mois-là, parce qu'il les connaît là. Ramadan, c'est un mois, pas pareil comme les autres mois. C'est un mois qu'on me disait profiter au maximum. Donc là, quand il compte valer mon Ramadan, les là, ça dit mon là, les pour intéresser, pour préparer lui-même, pour ce mois-là. Donc, une première étape, c'est nous compte valer mon Ramadan. Quand on finit compte valer mon Ramadan, les là qui ça dit mon là, donc là, il passe à deuxième étape, c'est concernant comment vous préparez nous-mêmes pour Ramadan. Comment nous vous préparons nous-mêmes pour le mois de Ramadan. Premier,
C'est une préparation psychologique. Une préparation psychologique veut dire que je suis conscientisé moi-même. Mettre ça bien dans mon esprit. Qui m'a mis à mettre dans mon esprit? Premier, ça dit moun là, je pose moi-même la question. Mon état d'esprit, comment été? Nous, à quelques semaines du début du mois de Ramadan, mon état d'esprit, comment été? Et dans deux situations. Soit ça dit moun là, il peut attendre Ramadan avec impatience. Soit ça dit moun là, il peut attendre Ramadan avec impatience. Il peut compte banzou, quand Ramadan là pour venir. Quand Ramadan là pour venir, qui fait? Pour les gars, bon gâteau, pour les manger, pour iftar. La cause à dit là, il y a un magasin, ce travail pour manger Ramadan là. Il y a un magasin linge. Non. Ça dit moun là, qui fait, il peut attendre Ramadan avec impatience. À cause ça dit moun là, il y a un bienfait qui est dans sa moun là. À cause ça dit moun là, il y a un valier moi Ramadan. La cause ça qui ça dit moun là, il peut attendre avec impatience. Quand Ramadan là, capable de venir, mon capable de faire beaucoup de bonnes actions, mon capable de gagner beaucoup de récompenses avec Allah. Soit nous dans cette situation-là, c'est un bon signe. C'est un signe qui s'est dit, moun là, il faut profiter avec Ramadan. C'est un signe qui s'est dit, moun là, il faut faire des efforts pour lui préparer lui-même pour Ramadan. Soit nous dans une deuxième situation, moi parmi ban qui, ayo, Ramadan peut venir un problème. Une difficulté pour moi, ça. Ayo, qui peut venir là, moi, je vais garder Rosa. Une journée, moi, je vais rester sans manger. Moi, je vais faire un namaz, la ravi à soi. Donc ça dit moun là, si y en a sa qualité, mentalité là, si ça dit moun là, si là même, il va finir, pense comme ça pour Ramadan, il y a un fardeau qui va venir là, un problème, un taklif qui va venir là. Donc ça dit moun là, pas attendre qui ça dit moun là pour profiter avec Ramadan. Pas attendre qui ça dit moun là, il va profiter avec Ramadan, si c'est là même, sur l'esprit, c'est là même, il va penser comme ça pour Ramadan. Donc chacun parmi nous, soit nous entre sa dé, quitte chose là, nous dans sa dé l'état là. Donc si nous dans le premier état, alhamdoulilah, remercie Allah, nous commençons à préparer nous-mêmes. Si nous dans sa deuxième état là, quand nous trouvons Ramadan en fardeau, pas que trop tard. Pas que trop tard, nous capables, sans nos conceptions concernant le mois de Ramadan. Nous capables, nous guettons Ramadan d'une autre façon. Pour nous capables faire ça, elle réfléchit le valet à moi Ramadan. Elle réfléchit le man bienfait qui est dans ce mois là. Inch'Allah, ça peut aider nous. Pour nous sens sa mentalité qui nous est là. Deuxième qualité de préparation psychologique, c'est ça dit moun là, il prend sa Ramadan là comme ce dernier Ramadan. Prend sa Ramadan là comme dire ça même au dernier Ramadan qui m'a vivre le salaté là. Qui s'en là parmi nous? Qui s'en là parmi nous qui suit et certain? Qui s'en là parmi nous qui suit et certain? Qui m'a pour rester témoin et l'autre Ramadan, c'est mon récit témoin sa Ramadan là. Personne parmi nous ne peut avoir sa garantie là. N'importe qui l'est, nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller. N'importe qui l'est, nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller. Pas laisse nous-mêmes gagner embêté par nous CV noir. Pas laisse nous-mêmes gagner embêté par nous bonne santé. N'importe qui moment nous peut quitter sa dunya là, nous peut aller. Pas besoin mon acquitte maladie. Pas besoin mon vieux non. Donc sa Ramadan qui est venu là, prends ça comme a dit, fais comme a dit, un dimon l'inconnaît. Fais comme a dit, un dimon l'inconnaît, sa Ramadan là, ça même dernier Ramadan qu'il est pour vivre. Imagine-nous sa dimon là, comment est-ce qu'il traverse sa Ramadan là? Est-ce que sa dimon là, tu peux perdre les temps? Est-ce que sa dimon là, tu peux badiner de Ramadan? Non. Sa dimon là, chaque minute, chaque seconde, chaque lien de temps qu'il y a dans le mois de Ramadan, les tu peux rester dans l'ibadet. Parce qu'il connaît. Il connaît, ça c'est ce dernier Ramadan qui peut vivre le salatier là. Donc, un dimon qui est le médecin dans son esprit, fait comment dire, ça même le dernier Ramadan qui peut vivre, alors ça dimon là, il peut traverser ce Ramadan là différemment. Ça dimon là, il peut faire des efforts pour lui profiter. Si le médecin dans son esprit, peut-être ça même le dernier Ramadan. Combien dimon nous connaît? Combien dimon nous connaît? Ramadan passé, il était avec nous. Ramadan passé, il était avec nous. Il était en bonne santé, il était avec nous. Et nous ne pas attendre que ce Ramadan là, il n'est pas pour là. Combien de monde comme ça nous connaît? Et peut-être que ce monde là, il n'aime pas s'y croire. Il n'aime pas s'y attendre qu'il va pour vivre un autre Ramadan encore. Donc, chacun parmi nous, pas juste pour ce Ramadan qui va venir là. Chaque Ramadan qui nous peut vivre au salatier là. Chaque Ramadan qui nous peut vivre au salatier là. Prends sa Ramadan là, comme a dit, ça même me dit, il y a Ramadan, nous vous trouvons sur les faits.
Nous vous trouvons que c'est un Ramadan qui nous traverse différemment de les autres Ramadan qui nous traversent dans le passé. Troisième, demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous témoigner le mois Ramadan. Donc un dimon qui fait une convalée au mois Ramadan, un dimon qui fait une convalée bienfait qui est dans le mois de Ramadan, ça dimon là il vous fait un doigt tous les jours avec Allah. Oh Allah, garde-moi vivant. Oh Allah, garde-moi vivant pour qu'il soit capable de témoigner ce mois-là. Ça me dit, mon Allah, il faut payer attention, mon quitte sa dunya là, mon aller. Mon fin rate un Ramadan, mon rate un sens, mon augmente, mon balance, mon action. Ensuite, quatrième, un dimon, il prépare un timetable, il est capable de se l'exprimer. Pas nécessaire au papier, il est capable de se l'exprimer. Ça dit, mon Allah, l'infini. L'infini, ça dit, mon Allah, l'infini prépare lui-même, l'infini connaît. L'infini connaît comment il vous traverse ce moment de l'étang dans les mois Ramadan. Quand matin, vous faites telle quelque chose. Tel est pour lire le Coran, tel est pour faire zikrullah, tel est pour faire namaz. Donc ça dit là, il finit prépare un timetable de se l'exprimer, nous sommes capables en écrit. Là ça dit là donc, il connaît. Il connaît, surtout si un dit le travail pour lui-même. Ça dit là, donc, si possible, ça dit là, il finit ramasse tout mon travail qui vise. Ça dit là, il fait un maximum de travail avant Ramadan de rentrer. Comme ça, dans le mois de Ramadan, il est capable de libérer lui-même. Et ça dit mon là donc, il est capable de profiter au maximum avec sa moi là. Deuxième qualité de préparation, c'est une préparation spirituelle. Qui veut dire préparation spirituelle? Ça dit mon là, première petite chose, finir en place tout ban rosa qui finit raté pour Ramadan passé. Et là, dit mon, prochain Ramadan peut rentrer. L'infini commence à garder rosa tout. Et encore, doit rosa Ramadan passé, il n'est pas encore gardé. Ça les concerne surtout ma madame. Surtout ma madame qui, dans le mois de Ramadan, il y a certains jours. Quand je manque ma rosa, je ne pas rester gardé. Donc, s'il arrive jusqu'à aller à Poco, garde rosa, alors. Donc, s'il arrive jusqu'à aller à Poco, garde rosa, alors, fin des mois, avant que Ramadan rentre, finir en place sa ma rosa qui manque là. Deuxième. C'est cherche la connaissance concernant sa moi-là. Apprendre concernant sa moi-là. Pour être capable de profiter avec le mois Ramadan, apprendre concernant sa moi-là. Concernant ben, la loi qui est là concernant Rosa. Parce que souvent, des fois, nous trouvons un dimon, quand il arrive Ramadan, les Rosa, là, ils vous demandent. Là, ils vont demander est-ce que ça quitte Rosa, gagne droit. Est-ce que ça quitte Rosa, pas gagne droit, quand les Rosa. Donc, nous finissons. Nous finissons préparer nous-mêmes à travers. Soit nous écoutons une causerie qui peut donner concernant Ramadan, soit ça dit là, il y a un livre. Soit nous rentrons sur Internet, ça dit là, il y a un article qui est là concernant le mois de Ramadan. Donc, il augmente sa connaissance concernant ce mois-là. Troisième, garde une rosa nafil comme préparation pour rosa Ramadan. Nous garde une rosa nafil comme préparation. Parce que souvent, des fois, nous trouvons dans des gens surtout qui ont gardé rosa 10 dans le mois Ramadan. Et dans certains gens, ils ont gardé rosa 10 dans le mois Ramadan. Après le Ramadan, jamais ils ont gardé une rosa nafil. Après le Ramadan, jamais ils ont gardé une rosa nafil. Qui est rosa Shawwal, qui est rosa Arafa, rosa Zouachoura, rosa Lundi, Zedi. Ils ont gardé rosa, ça dit là, 10 dans le Ramadan, qui ont gardé rosa. C'est la même que nous trouvons, ça dit là, commencement. Quand il garde rosa dans le mois de Ramadan, donc là nous trouvons Sajimoula quand il garde rosa dans le mois de Ramadan, là Sajimoula sur la tête fait mal. Là même qui Sajimoula, les gars est faible, les gars tout qualité malade qui fait, il pas habitué garde rosa. L'inconnu rosa c'est dans le mois de Ramadan. Donc nous gardons rosa nafil comme préparation pour Ramadan, surtout dans ce mois qui nous était là. Ce mois qui nous était là, mois Sha'ban. Qui fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Usama ibn Zayd, les fin de manne Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, vous m'avez trouvé garde rosa dans aucun mois, pareil comme vous m'avez trouvé garde rosa dans mois Sha'ban. Mais dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce mois qui nous était là, mois Sha'ban, c'est moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me garde beaucoup rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à Usama? Il dit, il y en a un mois qui dit mon négligé. Un mois qui dit mon pas donner sur l'importance qu'il est besoin.
Ça, moi, là, les trouve entre Rajab, c'est-à-dire moi qui finis de traverser, et le mois de Ramadan, moi qui m'est venu. C'est-à-dire, c'est moi qui nous était là, moi, Sha'ban. C'est un mois que ben Zimoun, c'est une action qui monte contre Allah. Et mon content, mon action monte contre Allah pendant qu'il me rose. Donc, les recommander pour un Zimoun, dans ce mois qui nous était là, moi, Sha'ban, pour ça, Zimoun-là, les gardes maximum rosa, premièrement, comme une préparation pour Ramadan, et ensuite, deuxième, ça dit mon là, les gars, ça rose là, parce que dans ce mois-là, nous avons une action, les montres contre Allah. Hadith qui trouve dans An-Nasa'i. Quatrième, augmente nous avons namaz. Si un dimon, il fait juste faraz, commence à faire sunnat. Si un dimon, par exemple, namaz faraz, il ne va pas faire, commence à partir à ce tiers-là, commence à faire namaz. Pas attendre, me dire que Ramadan rentre, il est là, il va bouffer, il va faire namaz. Qui arrive? Ça dit mon là, nous vous trouvons là. Et masjid, un témoin. Ça dit mon là, premier jour, deuxième jour, nous trouvons les machallah, tous les cinq namaz, il va faire. Ça même dit mon, arrive 4-5 jours, arrive une semaine, ça dit mon là, il ne retourne comme il était avant. Il ne retourne comme il était avant. Qui fait parce qu'il n'a pas l'habitude de faire namaz. Il pensait que quand Ramadan rentre, il va faire tous les cinq namaz. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire namaz, si vous n'avez pas l'habitude de faire namaz, c'est difficile. Les plus difficiles pour un dimoun, les récits maintenir sa 5 namaz là tous les jours. Cinquième, lecture Coran. Pareil comme un namaz, un dimoun. Combien de dimoun parmi nous fait l'intention? Nous fait l'intention que dans sa mort, Ramadan là, vous faire un khatam Coran ou soit plus. Mais seulement ce dimoun là, il n'est pas habitué à lire Coran. Il n'est pas habitué à lire Coran, juste dans Ramadan qu'il lit le Coran. Qui arrive, nous trouve ça, dimoun là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il récite l'IA, un sipara par jour. Après, qui arrive, nous trouve ça, dimoun là, il arrête une seule goutte. Il arrête. Il arrête l'IA Coran, qui fait parce qu'il n'est pas gagné l'habitude. Et quand le mois Sha'ban, tu peux rentrer, Amr ibn Qais, les types ferme sur la boutique, les types libérer lui-même pour lecture Coran. Ça va être pieux prédécesseur, ça. Ça va être bon dimoun qui vient vivre dans le passé. Ça va être là, quand Ramadan rentre. Alors, avant même Ramadan rentrer, pardon. Avant même Ramadan rentrer, dans un mois qui nous était là, mois Sha'ban, Sa'ban dit Moula, tu peux finir, commence, prépare aux autres même, tu peux finir, commence, faire lecture Coran. Si j'aime, nous commence, faire namaz, tahajjud, si nous ne pouvons pas faire. Les 25 minutes avant namaz Fajr, nous pouvons lever même pour namaz Fajr, les 25 minutes, 20 minutes en avance. Et nous sommes capables de faire des rakats, 4 rakats, namaz tahajjud. Comme ça, donc, quand Ramadan rentre, nous allons trouver difficile pour nous faire namaz tahajjud. Ensuite, une troisième qualité de préparation, c'est concernant ban achat. Pour un dimoun, il va finir sur les temps dans l'hypermarché, dans le magasin, à partir maintenant même, avant Ramadan rentre, fini prendre tout nos ban commission. Dans Ramadan, c'est bien moi pour un dimoun, il y a le PSG sur les temps d'acheter commission. Fini prendre tout avant Ramadan rentrer, comme ça que Ramadan rentre, nous capables, ça dimoun là, il est capable de concentrer le ban ibadet dans ce mois là. Et Abu Bakr al-Bakhi, il dit, moi Rajab, c'est moi planté. Moi Sha'ban, c'est moi arrosé. Et moi Ramadan, c'est moi récolté. Mais dit un dimoun, pour les capables de Ramadan, ils trouvent qu'ils peuvent faire une bonne action, il faudrait qu'ils aient une préparation qui finit venir avant. Par exemple, un planter, il va planter, il va arroser, il ne faudrait pas y attendre qu'un seul coup de lever le lendemain, ça dit que les rentre dans son carreau, ils trouvent qu'il plante une poussée. Ils trouvent qu'il légume une poussée. Non. Pour qu'il légume poussée, il y a certains sacrifices pour faire. Pour qu'on ait une plantation dans le carreau, il y a certains sacrifices pour faire. Vous vous êtes planté avant. Si vous êtes planté, après, vous n'avez pas arrosé qui arrive. Donc, vous vous êtes planté, vous vous êtes arrosé, les là vous gagnez récolte. Comme ça, même pour un dimoun, il est capable de profiter. Pour les capables, il trouve libre de faire une ibadah dans les mois Ramadan. Il trouve libre de faire ce 5 namaz. Il trouve libre de lire le Coran. Il trouve libre de faire le zikrullah. Il faudrait qu'il s'agit de là, avant Ramadan, il prépare lui-même. Il peut faire cette action là. Donc, c'est un dimoun, il n'est pas planté, ça dit mon là, donc il n'est pas planté, il n'est pas arrosé, pas attendre qu'il nous bougaille récolte. Pas attendre qu'il nous bougaille récolte. Et ensuite, ce mois là, mois Ramadan, c'est un mois qui est connu.
comment ibadat principale qui est dans ce mois-là, comment nous connaissons, c'est Rosa. Ibadat principale qui est dans le mois de Ramadan, c'est Rosa. Mais pour un dimoun, les capables de garder sa rosa là, pour un dimoun, les capables de garder rosa là, comment bien, pour les capables de gagner maximum récompense, faudrait sa dimoun là, il compte valer rosa. Faudrait sa dimoun là, il compte valer rosa. Moi, je vais faire sacrifice, on vais sans manger, sans boire une journée. Moi, je vais connaître qui m'a gagné en retour. Moi, je vais connaître qui m'a gagné en retour. Donc, concernant valer rosa, premier, nous avons péché, les être pardonné. Hadith qui nous fait déjà mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sama ramadan iman wa ihtisaba. C'est lui qui garde le rosa ramadan avec iman et avec l'espoir pour quelque chose avec Allah, sur un péché passé, il est pardonné. Donc là, on connaît comment on garde le rosa, mon péché, comment on garde le rosa dans le mois de ramadan, mon péché, il est pardonné. Mon péché qui m'a fait commettre dans le passé. Deuxième, rosa, c'est une barrière, c'est une protection contre l'enfer. Et c'est Allah qui donne sa récompense. Veut dire, Rosa les protège un dimoun contre l'enfer. Comment est-ce que Rosa les protège un dimoun contre l'enfer? Comment les vins une barrière entre un dimoun avec différents l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pena aucun serviteur qui garde un jour Rosa dans le chemin d'Allah. Sa dimoun là, les garde sa Rosa là, les garde Rosa dans le chemin d'Allah. Sa dimoun là, excepté qu'Allah éloigne ce figuier de l'enfer, ça joue là pendant 70 bananes. Un jour, nous garde rosa. Un jour, nous garde rosa. Allah éloigne nos figuier de l'enfer pendant 70 bananes. Nous tous nous connaissons concernant l'enfer. Nous connaissons l'enfer, c'est plus mauvaise place qu'il y en a pour du monde rester. Nous connaissons l'enfer, il y a des souffrances, il y a des punitions. Donc, un parmi les moyens pour nous capables de protéger nous-mêmes. Pour nous capables de mettre une barrière entre nous et de faire l'enfer, c'est God Rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah finit dans un hadith Qudsi, Allah dit Rosa pour moi. Rosa pour moi et moi qui vous donne son récompense. Qui veut dire ça? Veut dire chaque bonne action qu'un dimoun les fait, les gars récompense en 10 à 700. Chaque bonne action qu'un dimoun fait, les gars récompense en 10 à 700. Excepté Rosa qui Allah dit elle est pour moi d'après qualité. Rosa qui sa dimoun la fin garder Allah pour récompense lui et récompense elle est capable dépasse sa 700 qu'il est supposé gagner pour n'importe qui mène les autres bonnes actions. Qui fait Allah dit moi qui vous donne son récompense parce que sa dimoun la les quitte ce désir, les quitte se manger boire à cause moi, à cause Allah. Un dimoun quand il garde Rosa. Ça dit mon là, il arrive dans une situation que peine à personne avec lui. Ça dit mon là, peine à personne avec lui. Ça dit mon là, il peut gagner l'occasion pour lui manger, pour lui boire. Qui fait lui pas boire? Qui fait lui pas manger? Qui fait lui pas manger, lui pas boire? Peine à personne peut trouver lui. Et n'a mangé devant lui, et n'a boire devant lui. Qui fait lui pas faire ça? Parce que, ça dit mon là, il peut garder Rosa à cause Allah. Là, il connaît Allah, peut gagner lui là. Il n'est pas pour manger, il n'est pas pour boire. Donc, ça dit mon là, ça a ibadet qui appelle Rosa là, à cause ça dit mon là, il quitte son plaisir, il quitte son manger, il quitte son boire à cause Allah. Et Rosa, c'est une barrière contre l'enfer, nous fait expliquer comment. Et il y a deux moments de joie pour un qui garde Rosa. Un dimoun qui garde Rosa, il y a deux moments que ça dit mon là, il est content. Un premier moment, c'est quand il peut faire iftar. C'est un moment de contentement. Un jour, mon garde Rosa. Alors, ça finit arrive là pour me casser mon rosa, c'est un moment de contentement. Mon récit garde un rosa. Deuxième moment de la joie pour un dimoun qui finit garde rosa, c'est Zou Qiyama. Zou Qiyama, quand il a besoin de son robe, quand Allah vous donne les récompenses pour sa rosa qu'il est finit garder là, sa dimoun là, il est pour content. Et Rasoul, et Allah subhanahu wa ta'ala dit le dire qui sortit de la bouche, un qui rosa, le meilleur côté Allah qui parfum musc. Hadith qui trouve de Bukhari. Toujours concernant valer rosa, un dimoun quand il garde rosa se doit l'y accepter au moment iftar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a trois catégories dimoun je ne dois pas rejeter. Nous tous nous besoin quelque chose, qui est quelque chose matériel, un jeune, les besoins de madame, les besoins, un dimoun, les besoins de l'auto, les besoins de la case, les besoins de richesse. Nous tous nous besoin quelque chose, qui est matériel, qui est concernant akhirat, protection contre l'enfer, protection contre le punition kabar,
plus important nous besoin de net. Donc nous tous nous besoin quelque chose dans nous la vie. Nous tous nous besoin quelque chose dans nous la vie et nous connaît. Nous sûr et certain c'est juste Allah tout seul qui est capable de nous tout ce qui nous besoin. Donc un dimanche les besoin profiter. Quand les roses demandent un moment, au moment iftar, ça dimanche là n'importe qui bon quelque chose qui lui demande Allah, alors Allah pas rejette ça dimanche là ce doit. Ce doit accepter. Donc nous besoin profite ce moment là. Et l'autre riwaya dit à Sadi Moula, prenez-moi depuis le moment qu'il garde Rosa jusqu'à qu'il y fait iftar, ça laps de temps là, c'est un moment que Allah accepte doit. Rosa c'est un intercesseur. Qui veut dire ça? Veut dire Zoukiyama Rosa pour plaider auprès d'Allah pour nous. Si un dimon lui mérite pénichon, si un dimon lui mérite pénichon Zoukiyama, alors Rosa, Sadi Moula, mais seulement les habitués gardent Rosa, l'on salaté Allah, l'on garde Rosa. Zoukiyama Rosa pour venir. Les vous plaignez avec Allah. Les vous intercède auprès d'Allah pour nous. Qui les vous dit? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Rosa et Coran, c'est deux intercesseurs pour ainsi inviter Allah Zoukiyama. Rosa vous dit oh Rob, me fait une privé de se manger, me fait une privé de se désirer pendant la journée. Laisse-moi intercède pour lui. Rosa vous plaignez, oh Allah, laisse-moi plaide. Est-ce plaide auprès de toi pour ça dimoun là et Allah pour accepter Rosa son intercession. Allah pour accepter Rosa son intercession. Donc peut-être ça dimoun là les mérité qu'il punition à travers Rosa son intercession, ça dimoun là les fin être sauvé contre Allah son punition. Hadith qui trouve de Ahmed. Rosa li amène via paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit et il y a la porte de paradis qui appelle Ar-Rayyan. Et il y a la porte de paradis qui appelle Ar-Rayyan. Zoukiyama, les boudiers, c'est la porte là, boudiers, qu'on demande qui peut garder Rosa. La porte là, pourquoi demande des gens qui font garder Rosa, l'on salaté, là, qui fait, parce que c'est ça, des gens là même qui passe à travers la porte là, qui rentre à travers la porte là. Après, qui dit, il y a des gens qui passent à travers la porte là, veut dire, dernier des gens qui garde Rosa, qui, dernier des gens qui font garder Rosa, fait une passe à travers à la porte là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à la porte là pour fermer. Veut dire, c'est ce man qui fait une garde Rosa l'eau salatia là, qui vous rentre à travers sa, la porte là. Hadith qui trouve de Bukhari et Muslim. Donc, un dimon l'infini concernant Valère Rosa, il connaît quand il peut garder Rosa, qui il peut gagner en retour, à ce dimon là, il peut connaître qui qualité Rosa, il peut garder. Est-ce que mon garde un rosa qui est malheureux pour nous dire que beaucoup de monde garde sa qualité rosa là, un rosa que mon résiste sans manger, sans boire. C'est mon ventre qui reste rosa. Ça dit mon là, les rosa, les peut quelque chose haram. Les peut écouter quelque chose haram. Mais un dimon qui a les rosa, pas ce ventre qui reste rosa, mais tout membre sur les corps, il participe de sa ibadat là. Sur les jets, sur la main, sur les pieds, et surtout ça dit mon là, sur la langue. Et surtout, ça dit Mounla, sur la langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est lui qui ne quitte pas une parole obscène. Pas une parole obscène comme un jouré. Parce que Rosa, quand dit Mounla, il n'a pas mangé, arrive un certain moment que ça dit Mounla, il fait coller. Arrive un certain moment que ça dit Mounla, il fait coller. Et quand il fait coller, tout qualité vilain parole, tout qualité vilain parole sortit de la bouche. Ça dit Mounla, il commence à jouer. Comment dit Mounla, il garde Rosa? Mais seulement ça dit Mounla, alors qui qualité flair qui sortit de sur la bouche. Ça dit Mounla, qui qualité les jouerait. Donc le prophète dit, c'est lui qui pas quitte une parole obscène. Ça dit Mounla, les jouerait. Ça dit Mounla, il peut faire ribette. Ça dit Mounla, il peut prendre le nez à son frère, il peut causer un tel et mensonge, il cause mentir, les rosa. Allah pas besoin qu'il quitte ce manger, ce boire. Sa qualité rosa là, Allah pas besoin. Sa qualité dit Mounla, parce qu'il est-ce qu'Allah besoin de rosa lui? Est-ce que Allah lui bise nous rosa? Non, Allah pas bise nous rosa li. Un dimon qui peut garder rosa, il peut garder rosa pour lui-même. Lui qui peut profiter. Donc Allah pas bise sa qualité rosa là, ça dimon là qui quitte se manger, ce beau hadith qui trouve At-Tabarani. Et nous terminons avec l'objectif de rosa. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre pour garder rosa. Pour qu'il y ait un dimon qui a pas fait un petit régime dans toute la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit la sourate Baqara ya ayyuhal ladhina amanu oban kina iman
كتب عليكم الصيام روزة فين أت بريسكري لوزوت كما كتب على الذين من قبلكم pareil comme à l'effet d'être prescrit l'urban qui était avant eux, la allakum tettakoun. Voilà la raison qui fait Allah fait prescrit à Rosa afin qu'il s'agit de l'Allah qui est capable de faire taqwa. Un mot qui nous demandait plusieurs fois, taqwa, bizaina taqwa. Taqwa, c'est la frayer Allah. Mais quelle qualité la frayer Allah? N'importe qui musulman nous demande de payer Allah qui nous dit, non, on va payer Allah. On va payer Allah. Ça même musulman qui veut dire, il paye Allah. Comme des obéissances, il va commettre sur la vie, grand tête en tout. Comme la masse, il va me faire. Après, il m'a dit, mon père Allah. Oui, mon père Allah. Il paye Allah, mais seulement sur la vie remplie avec des obéissances. Il paye Allah, c'est sur la langue. Ce bon action, il y a une contradiction, c'est ce qui sur la langue peut dire. Mais qui qualité la frayeur qui nous disait, il y a pour Allah. Allah dit, ittaqullah haqqa tuqati. Paye Allah, une vraie la frayeur. Vrai la frayeur là veut dire ça dit mon là les vivre avec sa conscience qui Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver lui qui Allah peut tenir lui qui Allah a la connaissance de tout ce qu'il peut faire. Alors ça dit mon là les vivre avec sa conscience là chaque instant, chaque moment de sa vie, surtout devant le moment que ça dit mon là il peut être tenté par Shaitan. Il a l'intention pour lui commettre une désobéissance. Alors imaginez qui Allah peut trouver moi là. Allah peut en moi. Allah connaît qui m'a bien fait là. Donc, c'est une la frayeur qui profite un dimoun. C'est une la frayeur qui rapproche un dimoun avec Allah. C'est une la frayeur qui vient un barrière entre sa dimoun là avec ma désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran fait nous connaître concernant l'avantage qui va bien fait qu'un dimoun gagne. L'eau salatée là, quand il vit avec sa vraie la frayeur pour Allah là. Premier, Allah dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » C'est lui qui a la frayeur pour Allah. Vrai la frayeur, « يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Allah ouvre ce chemin. Peut-être nous avons fait ça l'expérience là. Quand dit monde est sincère envers Allah, quand dit monde est paix à Allah, vrai la frayeur, ça dit monde là, il peut vivre dans l'obéissance. Allah, il trouve Allah facilite ce chemin. Tout le monde demande ce qu'il fait. Tout le monde qui dit chose que ça dit monde là, il peut faire, il trouve Allah facilite. Il y a facilité partout. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Deuxième, Allah nourrit d'une façon que ça dit moula l'y pas atteindre. Allah nourrit d'une façon que l'y pas atteindre. Allah fait souvent quelque chose facile. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ. C'est lui qui a la frayeur pour Allah. Allah efface souvent le péché. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Allah donne-lui une grande récompense. Qui est sa grande récompense là ça? C'est plus grande récompense qui est là, que tout musulman ne peut attendre sa récompense là, c'est Jannah. Si nous lisons le Coran, nous vous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut cause qu'on s'en a paradis, Allah associe paradis avec Bandimoun qui est la taqwa, Bandimoun. C'est sa Bandimoun là qui vous hérite paradis. C'est sa Bandimoun là qui vous mène habitant paradis. Donc, un parmi les moyens qui est là, pour me récit développe sa vraie la frayeur pour Allah là dans moi, c'est à travers sa ibadette. Qui appelle Rosa là. Et ta quoi, c'est mauvais, mais meilleure provision qu'un dimoun est capable de prendre, comme Allah dit à Wataza Wadou, fa inna khayraza dit ta quoi. C'est pour sa voyage qui nous tout donne à le faire, puis il n'y a aucun doute là-dedans. Voyage vers Akhirat. C'est nous ta quoi, nous la frayer pour Allah qui vous profite nous pendant sa voyage. Deuxième, Rosa fait nous éviter man qui chose haram. Par exemple, un dimoun, quand il rosa sa dimoun là, man kitsos haram, nous trouvons qu'il va commettre sa man kitsos haram là. Il habite à commettre l'adultère, quand il rosa, il va commettre l'adultère. Il habite à fumer cigarette. Ça, il attend une cigarette de la mousse. Un paquet de vin, il finit par jour. Sa dimoun là, quand il rosa, il connaît les rosa là, il va fumer. Donc, rosa, il fait nous éviter man kitsos haram. Troisième, Rosa aide nous pour nous contrôler nos désirs. Ici, nous peut référer à désir sexuel. Rosa aide un dimoun pour lui contrôler ce désir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Ya ma'ashara shabab, o banjen, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. C'est lui parmi les autres qui est capable de marier, qui l'est marié. C'est lui qui n'est pas capable,
qui fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam be diamaoye parce que ça lui aide sa djimoun là pour lui baisser son regard et lui aide sa djimoun là pour lui préserver ce parti privé. Qui le prophète dit après, c'est lui qui pas capable maoye qui lui fait, qui lui garde rosa. Qui lui garde rosa, ça pour aide sa djimoun là pour un contrôle de ce désir. Quatrième, Rosa, les faire un dimon, les gagne compassion, gagne sympathie pour les pauvres. De quelle façon, quand un dimon les regarde Rosa, donc ça dimon là, une journée il va bien manger, il va bien boire, ça fait lui réaliser qu'il y en a man les autres dimon qui en dehors au Ramadan, ça man dimon là va bien manger, va bien boire, pas à cause de Rosa, nous à cause peine à manger. Peine à manger, peine à boire, la cause de périsse sans manger, sans boire, pas à cause de Rosa. Donc, Rosa lui entraîne un démon pour venir générer. Lui fait un démon comprend qui est un man pauvre, qui m'a besoin de faire des efforts pour m'aider sa man pauvre là. Rosa, c'est un training pour faire nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver nous. Rosa, c'est un training pour faire nous rappeler qu'Allah peut trouver nous. Quand nous disons d'aller là, quand un démon lui Rosa, malgré qu'il est tout seul, il a mangé. Devant lui, il va vous manger, il va vous boire. Qui fait parce qu'il connaît Allah peut trouver lui là. Il connaît Allah peut trouver lui, il va vous manger, il va vous boire. Mais est-ce que Allah le trouve dimon jusqu'à God Rosa? Est-ce que jusqu'à mon God Rosa qui Allah trouve moi? Comment dimon donc, nous tous quand nous God Rosa, nous va vous manger, nous va vous boire. Même en Ali devant nous. Qui fait? Qui raisonnement? Parce qu'il me connaît Allah peut trouver moi. Mais est-ce que Allah le trouve jusqu'à dimon God Rosa qui Allah trouve nous? Quand tous les jours on va faire namaz faraz, Allah va me trouver. Quand tous les jours on va désobéir à Allah, Allah va me trouver. Donc, ça rose Allah, il vient un training pour nous, pour faire nous rappel que Allah subhanahu wa ta'ala les trouve nous pas juste quand nous rosa. Chaque instant, chaque moment, chaque action qu'il nous peut faire dans nous la vie, Allah subhanahu wa ta'ala les trouve nous. Et en résumé, pour nous terminer, donc, pour un démon, il est capable d'atteindre sa taqwa là, point du monde, les capables, les gars, sa vraie la frayeur pour Allah là, à travers sa ibadette qui appelle Rosa là, faudrait sa dimon là, l'incon va aller Rosa avant. Faudrait sa dimon là, l'incon va aller Rosa. L'incon va bien fait de Rosa. L'incon est qui récompense les gagnants quand les pégards de Rosa. Quand l'incon va aller Rosa, les là, les vous faire des efforts pour les gars de Rosa là, comme abisant. Les vous prendre précaution pour les pas jouer quand les Rosa. Les vous prendre précaution pour les pas cause mentir quand les Rosa. Attention, récompense la diminue. Et les là, quand les propres cochons pour les gars de Rosa là, comme Abizin, les là qui s'adimoun là, les pour atteindre l'objectif de Rosa, l'objectif principal de Rosa, c'est ta croix. Demande-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah fait nous. Garde sa Rosa là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi bandes. Qui nous fait des efforts, nous prépare nous-mêmes afin qu'il nous capable d'accueillir le mois de Ramadan. Inch'Allah, semaine prochaine, le boukos concernant Coran. Le mois de Ramadan, il est connu comme Shahrul Coran. Le boukos concernant Coran et aussi le boukos concernant l'aspect spirituel de Ramadan et quelques erreurs communes que les gens commettent pendant Ramadan. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين